Le docteur Arbin Arora, fondatrice de All Ladies League et de la Women Chamber of Commerce and Industry en Inde, entre autres, est au Cameroun pour prendre part aux rencontres Afrique centrale de la G100, association regroupant les 100 femmes les plus influentes au monde, accueillie à sa descente d'avion à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène ce 25 septembre par Caroline Sack-Kendem, présidente de la branche Femmes vulnérables, déplacées, migrants et réfugiés du groupe G100. L'Indienne, arrivant au Cameroun pour sa toute première fois, ne cache pas son enthousiasme de participer à cette grande rencontre. Et je suis très reconnaissante le patronage du Premier Dame de Cameroun, Madame Chantal Biya. On est ici avec le groupe G100, avec toutes ces femmes leaders de l'Afrique et du monde, de partout du monde. Durant 2 jours, du 27 au 29 septembre prochain, des experts venus du monde entier vont plancher sur la situation dramatique que vivent ces couches vulnérables que sont les femmes et les enfants, mais surtout mettre en place des stratégies visant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et on est ici pour dire aux femmes, avec notre solidarité, de dire on est avec vous pour tout ce que vous voulez faire au niveau de l'économie, au niveau social, au niveau politique, et pour faire un meilleur monde pour tous. Le G100 regroupe en son sein d'éminentes personnalités féminines, parmi lesquelles des prix Nobel, des premières dames, des capitaines d'industrie, des chefs d'État, ministres, toutes dévouées pour la cause humanitaire et le leadership féminin, engagées en faveur d'un meilleur devenir des couches les plus défavorisées.